Une théorie des univers parallèles prétend qu'à chaque instant se crée une multitude d'univers correspondant aux possibilités d'évolution d'un événement. Ainsi, ce dé est à la fois tombé sur 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et je suis dans l'univers où il est tombé sur 3. Depuis l'accident, à l'origine de la mort de ma petite amie, il se produit un étrange phénomène. Ce dernier survient sans prévenir, et à n'importe quel moment. Tout d'un coup, toutes les réalités parallèles issues des différentes possibilités se confondent sur un seul et même plan. Alors comment tu vas? Tu donnes plus de nouvelles. Ça va bien, t'en fais pas. Les objets, les hommes, tout ce qui bouge semble alors se dédoubler sous mes yeux. À chaque fois, je repense à sa mort. Je me dis qu'il y a des tas d'univers, des tas de possibilités dans lesquelles elle est toujours vivante, dans lesquels l'accident n'a pas eu lieu. Lors de ces phénomènes, il y a toujours le même homme, en train de jouer avec une pièce de monnaie. Cette pièce lui permet apparemment de contrôler ce qui se passe. J'ai essayé plusieurs fois de la lui prendre. Avec toutes les possibilités dans lesquelles tu m'as échappé, tu es tombé dans celle-ci. Et peut-être aussi dans celle-là.
Si j'arrive à prendre cette pièce, je pourrai passer dans un univers où l'accident n'a pas eu lieu. Et je pourrai ainsi la retrouver. Comme si rien ne s'était produit. Donne-moi la pièce. Qui es-tu? Toi, qui es-tu? Je te vois toujours en train de torturer ta maudite pièce depuis l'accident. Je comprends à présent pourquoi tu me poursuis. J'ai survécu au même accident que toi. Et après le drame, j'ai trouvé cette mystérieuse pièce. Qui n'était ni sur pile ni sur face. J'ai découvert son étrange faculté et le pouvoir qu'elle procure. Et je comprends maintenant pourquoi tu tiens tant à l'obtenir. Donne-la-moi. Non.